Alors, je démarre un projet réactif dans lequel je vais insérer un quiz. Alors là, sur la première diapositive, je vais faire en sorte que l'élément ici que je sélectionne ait une durée de 20 secondes. Donc ça va s'afficher pendant 20 secondes, mais je vais ici ajouter un bouton qui va permettre aux personnes de passer à la suite s'ils le souhaitent. Allez à la diapositive suivante, oui. Au niveau du nom du bouton, la légende, ça va être continuer. Voilà, j'enregistre le projet. Je demande un aperçu du projet. Voilà la page d'accueil pendant 20 secondes, mais je peux passer outre en cliquant sur continuer. Voilà le quiz. Et donc, vous remarquez qu'on a une barre de navigation pendant toute la durée du projet, alors que on peut s'en passer de cette barre de navigation, on peut la remplacer par des boutons qui permettent de passer d'une page à l'autre, comme celui que j'ai mis sur la première page ici, qui permettait de passer à la page suivante. Donc ça peut être intéressant de se débarrasser de cette barre de navigation quand on joue le projet. Donc on va voir comment on fait. Je reviens dans Captivate. Si vous voulez que la barre de navigation disparaisse pendant le quiz, c'est dans les préférences, préférences quiz, paramètres, et vous avez ici l'option masquer la barre de lecture dans le quiz. Donc au moment du quiz, cette barre de lecture en bas n'apparaîtra pas. Mais si vous voulez, et là je ne coche pas l'option masquer la barre de lecture dans le quiz, parce que si vous voulez que cette barre de progression, cette barre de lecture en bas disparaisse pendant tout le projet, il va falloir aller à un autre endroit. Dans le menu Thème, vous allez chercher l'éditeur d'habillage, le Skin Editor dans la version anglaise. Là, vous retrouvez l'option qui permet de masquer la barre de lecture pendant le quiz, mais moi, je veux la masquer pendant toute la lecture du projet. Donc, en fait, il faut que je décoche ceci. Il faut que je décoche cette option qui est d'origine cochée toujours, afficher la commande de lecture. Voilà, je ferme avec la petite croix. Et là, après un petit enregistrement du projet, je vais faire un aperçu du projet. Le voilà, la barre de lecture n'est pas là, que ce soit pendant les diapositives ou pendant le quiz.